Alors bonjour à tous, c'est parti pour le troisième jour du côté de Yosemite. Alors on va plus faire la vallée, donc là on l'a fait les deux derniers jours, on va plus la faire parce que c'est super loin. Du coup bah on est loin d'avoir tout fait de toute façon, je pense qu'il faut vraiment plusieurs jours pour faire tout. Mais bon, on a déjà vu les choses les plus importantes qu'on voulait voir, donc on est très contents. Aujourd'hui on va partir du côté de Tenaya Lake et on va finir la journée à Mono Lake. Donc ce matin, alors là il n'y a plus d'électricité dans l'hôtel, c'est génial, on n'a pas pu se laver. On n'a plus d'heure, donc il est 9h17. Moi hier je me suis fait bouffer, je sais pas si vous voyez, ça me gratte. Je sais pas par quoi, mais partout. Bref. Donc voilà, on va partir du côté de Tenaya Lake. Ce soir on va aller à Mono Lake pour faire un coucher de soleil. Là on va aller, on va prendre le temps d'aller manger un bon breakfast à côté. Là il y a un espèce de resto qui fait ça, donc on va aller manger. Aujourd'hui on prend un peu plus le temps, c'est un peu moins la course. On a pris le temps de se lever à 8h30, enfin... Voilà, c'est un peu plus tranquille, il fait toujours aussi beau. Et donc voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. Alors voilà notre motel de jour, c'est quand même plus sympa. Et donc il y a plein de décorations. Il y a plein de décorations, ouais. Et qu'est-ce que c'est là-haut, là? Un cheval. Qu'est-ce qu'il fait, le cheval? Il fait quoi? Tu sais pas? Alors une fois, elle m'a dit, le cheval, il fait son sport. C'est vrai, il fait son sport. Il est fort, hein? Maman, petit kiosque et tout, c'est vraiment trop mignon. Elle est où l'autre? C'est juste qu'on n'a pas d'électricité. Elle est où l'autre? Et que j'ai trop envie de me laver les cheveux. Maman, elle est où l'autre? Quelle autre, chérie? L'autre. Attends, là-bas, il y en a peut-être là-bas. Alors, la mauvaise nouvelle, il y a un incendie, il n'y a plus d'électricité dans toute la région. On peut pas aller manger, on peut pas aller là où on devait aller parce que l'autoroute est fermée. Et voilà. Qui c'est qui nous a porté la chkoumouine? Mais juste sur la carte. On visite Bridgeport du coup, hein. On va chercher un endroit où on peut manger. Qui a pas besoin d'électricité pour faire manger ses clients. Ah, c'est chaud, hein. Ah, si ça avait été hier et qu'on était sur la route du retour, on aurait mis 6 heures pour rentrer au lieu de 3. Bah si, on aurait dû faire le détour par l'est. L'est-nord. Ouais, je sais pas, mais... Donc du coup aujourd'hui on va peut-être aller à Bodhi parce que Bodhi est ouvert. Donc en fait on devait le faire demain. Et c'est la ville fantôme. Et bah du coup on décale juste d'un jour en fait. Donc voilà. Allez, on va chercher à manger. Une fois qu'on va dans un endroit où c'est pas du tout éclairé. C'est l'aventure, hein, dis donc. Ah bah il y a plein de trucs à manger là. Ou pas. Tu veux autre chose? Tu veux autre chose? Mais si tu veux autre chose, il faut que maintenant il range tous les... Faire les courses dans le noir. C'est vraiment un concept. Ah, attends, oui, il fallait que j'achète un surligneur. Faut qu'on reprenne du savon. Et moi, il faut que je prenne un truc pour les piqûres d'insectes. Voilà. Parce que j'ai trouvé ça. Il faut qu'on prenne de l'eau. Parce qu'on est en manque d'eau. L'incendie, il est hyper proche, quoi. Vous voyez le blanc là-bas? Bah, c'est l'incendie, en fait. Les gens super proches. Alors, les gens, ils flippent pas. Moi, je flipperai un peu, quand même. C'est bon, mais... Bah, c'est bon. On vient de se recharger en eau, du coup. Oui. Zou. Oh là là, moi, ça, je serais pas rassurée en vivant là, quand même. Hein. Trop joli. Les petits drapeaux américains. C'est cute ici. En Bridgeport, c'est super mignon, mais c'est vraiment pas très grand. Hein. Ça fait là. Juste cette route encore un peu plus loin. Là-bas, il y a écrit motel là-bas, c'est nous. Bon, ben, comment vous dire, l'incendie prend de l'ampleur. Donc, on va ni pouvoir faire Mono Lake parce que c'est au sud, ni pouvoir faire Bodhi parce que c'est un tout petit peu au sud. On n'a pas du tout envie de se faire bloquer dans Bodhi qui est une ville fantôme désertique, quoi. Donc on va rentrer à la maison au final, donc un jour plus tôt, mais bon en même temps c'est un incendie, on peut à peu près rien y faire, donc voilà. Moi perso ça me fait un peu flipper les incendies. Donc on est en train de paquer et puis on va peut-être faire les hot springs parce que c'est le seul truc qui est sur notre chemin. Parce que du coup on va passer au nord parce qu'on peut pas passer par le sud. Les hot springs, pas les offsprings, hein. Les hot springs, c'est pas ça, hein. Ouais, enfin bref, les sources d'eau chaude. Et donc voilà, c'est la vie, comme elle a dit la fille, it's nature. It's nature.
Et ben c'est un incendie, hein. Qu'est-ce que c'est en Californie, et déjà moi je m'estime heureuse qu'on va pas être trop à côté, hein, parce que ça me fait un peu peur, moi. Donc voilà, ben on vous embarque pour la suite du périple. Au revoir à l'hôtel, hein. Voilà, voilà. On serait bien resté plus longtemps. On serait bien resté plus longtemps. Il était fort sympathique. Bon, sans électricité, il était un petit peu moins sympathique. Et voilà. Oh putain, c'est bon ça. T'as vu? C'est ça qu'il nous faut. Il est devant nous. Oui. Mais il nous faut ça. Comme ça, on est autonome. On a plus besoin de faire 2h30 d'hôtel pour aller à l'hôtel. Eh, pas beau ça? Je sais pas si à droite il y a aussi putain. Pareil, il faut avoir campé. Ah oui. On voit le feu. On voit le feu. Ça fait trop peur là-bas, regardez enfin, la fumée là-bas. Du feu. Le feu. Pour aller aux sources d'eau chaude. Non. Pas la peine de faire du manège. Mais prenez la voiture. Elle est dans les routes un peu terreuses. C'est pas indiqué. Pas du tout. C'est pas très mal, c'est pas indiqué. C'est trop beau par contre. Oh ouais. La neige, tout ça. On voit plus trop les fumées. Ah. Hey. Les papa. Il arrive. Et donc, il y a déjà une petite source là, vous voyez, avec la vue trop jolie derrière. On va aller chercher les sources. Il y a un petit tapis, trop marrant. Je vais aller toucher. Parce que c'est chaud. Ah ouais, c'est brûlant. Oh, c'est brûlant. Et il y a la recherche des hot springs. C'est beau, hein. Bon, je filme jamais, mais évidemment, on badigeonne à chaque fois les enfants de crème 70, parce que, en plus, on est à la montagne, là, on est en altitude. Ça tape, ça tape, ça tape. Comment ? On va se baigner. On va se baigner, oui. On va se baigner dans une grosse flaque chaude. Ah, parce que là, celle-là, elle était beaucoup trop chaude, hein. C'est pas possible. Oh non, c'est trop canon. C'est trop beau. Voilà, il n'y a plus personne. On a la poule pour nous tout seuls. Privatisation de hot pink pour nous tout seuls. On est pas bien là. Voilà, tout ça pour nous. Regardez comme c'est beau. Vous avez vu les couleurs qu'il y a? Ouais, mon chouchou, il m'a pris mon short parce qu'il avait pas de maillot. T'es trop beau. Oui, bah écoute, on fait avec ce qu'on a. Vas-y, mon chat, c'est comme un bain. T'as pas pris le bain ce matin, bah voilà. C'est chaud? C'est chaud à ce point-là? C'est un peu chaud. Oh, bah c'est... Vous êtes bien là? Oh, c'est trop beau. Vous êtes bien là les trois? Ah, je vais venir avec vous, hein. Il faut pas boire l'eau par contre, hein. Exactement. Voilà, on est en plein kiff. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je me baigne dehors et que j'ai pas la réticence d'avoir froid, quoi. C'est brûlant. Non, mais on est bien, non. Il fait chaud avec le petit vent. On est bien, là. T'es bien, mon ange? Lana? Ah, tu cherches la boue? Un peu chaud. Un peu chaud, qui dit. Super froid dehors, en fait. Non, mais on est trop bien, là. Et moi, j'ai pas de serviette, hein. Alors, si tu veux déménager en Alaska.
Coucou. Oui, t'approches pas trop, t'approches pas trop. C'est ça, vlog là? Oui. Oh là 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 là. Nico, montre ton chat, s'il te plaît. Non, j'ai déjà filmé tout à l'heure. Ah. Et au fond, il y a ça. Sinon, il y a Clément et il y a la partie de la boue grise. Là, c'est bouillant là. Ça, c'est très chaud ça. C'est bien mon chouchou là? Je sais pas, entre ça. Tu devrais être au travail là. Entre ça, j'ai du bon boulot. Il y a pas tout. Le travail. Ça va, Lucie, t'es bien? Ouais, c'est bien. Attention à l'appareil. Hein. Les enfants, ils se régalent. Enfin, allez, je vais aller poser l'appareil, comme ça, ils pourront éclabousser. Non, il y a Clément. C'est bien, là. Tu t'es content? Oui, bah, retiens. Et Benjamin, il est où, mon câlin? Ça va, tous les deux, associés, là. Câlin, tu... Oh oui, bébé Clément. Moi je pense qu'il y aura plus de succès de Skittles. Si. Moi, je vous donnerai moi. C'est là qui met la bouche, c'est plus de Skittles, il y a plus de succès. Et t'as même pas mangé de neige hier? Moi? Non, lui. Oui, c'est vrai. Moi j'en ai mangé. Oui, c'est vrai. Il en a mangé une fois. Ah oui, c'est vrai, c'est Benjamin qui l'a eu. Là-bas au fond, il y a le lac. C'est pas trop beau. En fait, l'eau qui sort de là, elle est absolument brûlante. Donc ce premier bassin là est plus chaud que les autres. Alors l'eau elle vient de là. Il y a le chemin de l'eau. Coucou. C'est le couloir de l'eau. Ça, c'est la vue de fou avec le lac là. C'est trop beau. Ah, mais regarde, t'as le chemin de l'eau, c'est trop beau. Ah ouais, oui, c'est très chaud. C'est très chaud. Et si vous mettez le doigt dedans, ça brûle. Ça va mon chou? C'est pas pire? C'est un petit peu difficilement que l'on quitte notre petite piscine privée, mais on commence à avoir la dalle, donc on va aller manger. Alors voilà, on est de retour à Bridgeport, on va manger là. Donc là c'est là où on était ce matin à la boulangerie, et là c'est là où on va manger. Et on a une vue sur l'incendie qui est de pire en pire là-bas. Alors là il y a les arbres, donc on voit pas le principal, je filmerai un peu plus tard. C'est hallucinant comme ça prend de l'ampleur quoi. Ça fait grave flipper. Donc là on s'est posé sur une petite table et on va manger. Ça va bien là? De là on voit, regardez. C'est hallucinant. Ouais, je sais pas si on voit trop bien la caméra. Vous avez vu tous les pompiers qui passent pour éteindre le feu? Regarde. On a défilé des camions de pompiers depuis tout à l'heure. Ils vont tous pour éteindre le feu. Bah, elle est là-bas, regarde, tu vois, on voit la fumée dans le ciel, chérie. Dans le ciel là-bas, tout là-bas au fond. Là-bas. Mmh. Bonabona. Allez, il est 15h et on a 4h29 de route pour arriver à la maison. De pire en pire le feu. J'ai l'impression qu'il se rapproche, non? Oh ya ya. On voyait pas aussi net tout à l'heure, hein. On voyait juste le nuage. C'est chaud. Après 4 heures de route, on a le droit de craquer, hein, c'est bon. Et ça, tu coupes
pas, hein. Si. Deux traits sous les yeux, un chapeau qui bouge, un air malicieux, deux grandes savates, un grand pantalon, et quand ça me gratte, je saute au plafond. Youhou! Après 4h30 de route, on est arrivé, on va manger au reste, au reste. Restaurant. On va se péter le bide dans la faim. Est-ce que t'as faim? T'as faim? Oui. Et on va tester Applebee's, on n'a jamais fait. On en a un côté de chez nous et on l'a jamais fait. Donc on va voir ce que ça donne. On attend les garçons qui sont un peu à la bourre, hein. Sur la bourre ces hommes, hein. Alors qu'ils ont un vanito bien plus puissant que le mien. Mais bon. Tu veux voir mon chat? Ouh, il est beau ton bonhomme, mon amour. Ah oh, bah tu vois, tu viens de lui faire un trait en montrant. Oh, faut que je refasse un. Donc voilà, on arrive au resto. Nico, il choisit ce qu'il veut sur l'écran. Saut 2016. On va manger, manger. On va commander à manger, tu vois. Là, je suis... énorme, il y a les photos. Bah oui, c'est ça. Trop fort. Le menu est bien complet, hein. C'est pas trop mal. Il y a un petit rib, c'est comme une chose. Tisha, maman. Ah oui, Noah. Attends. Tu laisses la nappe. On se dispute les câlins à Clément. C'est bon? Ah ouais. Ils ont l'air bon les desserts. Il est content que tu joues avec lui. Il se dispute la place pour faire des câlins à Clément. Alors il tourne, il y a un roulement. Bonabona. Ah merci ma fille de suivre. Bonabona. Miam. Et ça, c'est le dessert. J'ai le chocolat. Est-ce que tu veux manger ça avec maman? La dame elle a dit qu'elle a le chocolat. Ça c'est au chocolat, ça c'est à la vanille. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Mon titi, mon amour. Ça va mon bébé? Oui. On arrive à la maison, il y a une ambiance de fou parce que ce soir il y a Benjamin qui dort à la maison. Bon. Je suis surexcitée. Bon. On va prendre la douche. Zou. C'est bon? T'as quelqu'un dans sa chambre? Oui. C'est moi. C'est ta veilleuse. Ta lampe magique. Anna s'endort toujours avec ça à la maison. Tu l'aimes ta lampe, hein? Tu te dis bye? On va faire dodo, nous. Alors, je vous retrouve quelques instants plus tard. Donc voilà, pour dresser un petit bilan de ces 3 jours. Donc c'était super sympa Yosemite. C'est absolument magnifique. Donc comme je vous l'ai dit, on est loin d'avoir tout fait. Donc il faudra qu'on y retourne. Donc comme vous avez pu le comprendre, on n'a pas fait 4 jours. Finalement, on a fait que 3 jours. Donc il n'y aura que 3 vlogs. Donc là, je conclue le dernier. Il y aura d'autres daily vlogs qui vont arriver dans nos prochains voyages. Mais là, pour le chapitre Yosemite, c'est tout. Donc voilà, c'était vraiment magnifique. On a eu un temps de fou. On a eu beaucoup de chance à chaque fois pour se garer. On n'a jamais galéré pour se garer. Le seul moment où on a eu un peu des bouchons, c'est quand le soir, quand on partait de la vallée, parce qu'on partait en même temps que tout le monde. On a pu faire notre coucher de soleil avec un temps magnifique et un coucher de soleil absolument magnifique. C'était vraiment super beau. Donc voilà, donc on a hâte d'y retourner. Par contre, voilà, on s'y prendra un peu plus à l'avance parce qu'on était vraiment super loin à l'hôtel. L'hôtel était super loin de la vallée. Et on en profitera du coup pour faire Monolake et Body qu'on n'a pas pu faire sur ce coup-là à cause des incendies. Je crois d'ailleurs qu'ils ne se sont toujours pas arrêtés là. Donc voilà, j'espère que ces 3 daily vlogs vous ont plu. J'en profite pour remercier Lucie donc, qui m'a autorisé à filmer donc, ces 3 jours et qui a vachement contribué aussi au,
au vlog parce qu'elle a, elle a filmé pas mal, notamment dans la voiture, c'est elle qui a filmé quand, quand je conduisais. Donc voilà, je te remercie Lucie, je sais que tu passeras par là. Donc voilà, et ben j'espère que ça vous a plu et puis je vous retrouve très vite avec d'autres vidéos. Et voilà, et je vous embrasse. Salut.